Jean-Pierre Pavant, président de l'escorte motard Sécurité Lorraine. Alors, vous avez fait une opération formation. Comment ça s'est déroulé? C'est un deuxième stage qu'on organise. Le premier stage, c'était au mois de mars. C'était réservé aux adhérents de l'association. Et aujourd'hui, c'est ouvert aux extérieurs. Mmh. Donc, nous avons eu 20 motards. Qui ont suivi le stage de perfectionnement et qui ont appris pas mal de choses et ils vont tous repartir avec ne serait-ce qu'un seul conseil, mais bien fait. Alors on peut rappeler un petit peu ce qu'est votre association? L'association, c'est pour sécuriser les courses cyclistes, marathon, triathlon, semi-marathon et duathlon. D'accord, donc vous vous retrouvez toute une équipe de copains qui sont membres de l'association et qui protègent ces courses, c'est un peu ça? Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on sécurise. Voilà, vous sécurisez ces courses. Alors pour des informations complémentaires sur cette association? Et ben, vous pouvez me joindre au 06 75 46 75 35. Également sur le Facebook. Sur Facebook, Escorte Motard Sécurité Lorraine, ou sur le site internet. David, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de cette journée? Gestes, posture, conduite lente, le regard aussi. Enfin, pas mal de choses. Mettre une béquille centrale aussi. C'était pas mal, surtout sur ce modèle de moto. D'accord. Donc c'est un truc que vous referiez? Sans problème, et même une fois par an. Une petite piqûre du rappel, ça fait pas de mal non plus. De la maniabilité, plus de maniabilité sur la moto. Preuve que ça tourne bien court, que c'est uniquement de l'appréhension. Si on a du mal à tourner court, c'est de l'appréhension. Et ça, en fait, ça passe là. Ça vous a apporté beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses, surtout à deux. On sait qu'on peut braquer bien court à deux. Si on a la bonne technique, ça passe large. Vous reviendrez alors s'il y a une autre... Ouais, moi je reviens.